bebé. Oui, ça comment? Oui, ça va. Okay. T'es déjà au lit? Oui. Tu sais, je suis tellement fatiguée et toi-même, tu le sais. Ah, tu as besoin d'un massage? Ah, non, tu sais. J'ai besoin juste de me reposer seulement. Oui. Je vais aller sur un film. Mm-hmm. Ok, ça marche, ça peut aller. Mmh. Ok, merci. Hey, ma série, s'il te plaît. Oui, mon amour. Viens là. Oui. Tu sais, oui. J'ai mis un réveil. Mmh. Je voulais que tu me réveilles à partir de 2h. J'ai un travail très important à terminer. Il s'agit de quel genre de travail? Toi, Alima, tu es vraiment curieuse. Alors, tu veux vraiment savoir de quel travail il s'agit? Oui. Alors, j'ai un rendez-vous très important avec mon âme sœur. Alors, tu l'as compris maintenant. Ah bon? Mm-hmm. Tu n'oses pas. Le jour que tu veux oser me tromper, je vais te frapper comme mon enfant. Tu ne peux même pas. Regarde-moi tes muscles là, est-ce que tu as la force pour me faire quelque chose? Est-ce que, attends, voici. Tu ne peux pas. Allez, ah, je vais te frapper. S'il te plaît. Non, laisse-moi me reposer. Au travail. Déjà. Mmh. Mais le sac est un peu sale. C'est bon. Faut essayer de le suivre un peu. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, je me suis un peu en retard. Ah. Là, c'est 2 jours là, c'est les fatigues seulement. Enfin, comment? Souvent, il nous faut. Nous, les garçons, on travaille pour vous, les femmes, non? Au revoir. Hé, Amadou. Oui. C'est comment? Mon ami. Ouais. On a fini. Vous allez s'en aller. Oui, bonjour. Vous avez une place. Hé. Oh, il est là.
Oh, toi, tu as la chance, hein? Tu n'as pas qu'à moi, ma préquelle est sortie. Ah. Je dois aller au travail. Aujourd'hui, même, je trouve que je suis un peu en état. Ah, d'accord. Mm. Sinon, je passais, je dis, je vais passer te dire bonjour. Là, c'est gentil. Voilà. Et les activités? Bon, c'est là. On travaille, tu sais, c'est nous, il n'y a pas le temps comme ça. Ça va, ça voyage. On fait comment? Ah, mais ça, c'est très bien. Pour vous, c'est encore mieux. Mm. Chez nous, les étudiants, tous les jours, ça sonne sur le monde. Tu sais, Amadou, c'est comme ça. Aie le courage, c'est très important. Parce qu'on aime dire souvent que quand l'avancée devient dure, seul le dur avance. C'est ça. Donc, je vous demande d'avoir le courage. Inch'Allah, one day, ça va aller. Merci pour le conseil. Mm. Oui. Hey, Madame Kalia, oui. C'est comment? Ça va. Ça va bien? Ça va. Ok. Ouais, ça va très bien. Mais j'espère que tu es en forme. Hein? Oui. D'accord. Toi, tu le constates. D'accord. Mais n'oublie pas, tu t'occupes bien de mon ami. Hein? Ah oui. Il est tout en joie. Il est sympa. Vraiment, elle est une bonne femme. Ouais, allô. Ma chérie. C'est comment? Ah, ça va. Non, pour la sortie là. Est-ce que c'est pas trop tôt toi aussi? Ah, ne te fâche pas. Non, j'arrive. Au fait, je suis chez mon ami Kolia. Et j'arrive. Mon ami, oui? Je vais devoir te faucher compagnie. Parce que ma copine vient de m'appeler. Ah. Toi, avec tes histoires de copine là. Toi, Amadou. Moi, je te dis à chaque fois de laisser les filles et cesse à te marier. Et tu ne m'écoutes pas, hein, à chaque fois, tu dis passer de fille à fille. C'est pas beau ça, c'est pas intéressant. Ah, mon ami, je te comprends. Mm. Mais tu sais, voyez là, c'est synonyme de prison. Hein. Ah ouais, oh, c'est ce qu'on t'a dit. Je ne suis pas prêt pour me marier d'abord. Toi, Amadou, là. Laisse-moi profiter de la vie en être pour l'instant. Ok, ça c'est bien. Je vous laisse. Ok. Bon, madame Kalia, bonne journée. Bonne journée. Pourquoi c'est synonyme de prison? Pourquoi c'est synonyme de prison? Qui t'a dit ça? Oh, ma série, laisse-le. Il est naïf, au fait. Il va comprendre lorsqu'il aura femme. Ok. Il comprendra pour le moment, oui. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai trop plus de temps. Ok. Je suis déjà en état. Laisse-toi. Ok. Donc, ceci étant, prends soin de ma maison. Ok. Je vais aller. Et le soir, je reviens très tôt. Merci. Merci. Surtout ma bonne beaucoup de cadeaux. Ok, comme d'habitude. Bye bye. Yeah. Ouais, les bro. Eva, ouais. C'est comment? Oui, ça va. Hey, les deux jours là, je ne vois pas mon ami Nkinyara. Ah, pour toi, c'est ton ami. Moi aussi, je le vois. Ah, les deux jours, il est perdu comme ça, il ne sait pas, il est où. Il n'a pas son numéro. Là. Bon, j'ai son numéro, mais parfois, toi, tu sais qu'il y a tellement les appareils là. Et puis, j'ai tous les réseaux là. C'est pas bon. Il appelle et lui, ça passe pas. Mais peut-être, on va se voir. Oh, le sofra! Bro, ça va non? Bonjour. Pana. Eva. Ouais, ça va comment? Ouais, j'ai demandé d'après toi. Moi, non? Oui. Non, tu sais, dans les deux jours là, c'est le rap là. Donc, moi, j'étais au studio depuis maintenant. Ah, ouais, je te cherchais même pour que tu viennes faire un feed là, mais il n'était pas vu là. Ah, bro, sinon moi je suis dans le Tchéka Line. Les deux jours là, je t'avais parlé, oh, que je n'aime pas le rap là. Et effectivement, j'ai fini par ne pas rapper encore. Hein. J'ai laissé le rap. Ah, mais Sopra, faut pas te faire du tout là. Regarde, dans les deux jours là, hein, c'est le rap qui compte. Avec la génération d'aujourd'hui, c'est le rap qui compte. Regarde, si tu rappes là, et les filles là vont courir derrière toi. Et même les femmes mariées. Ah, non. Mathieu, aime mon effort. Je suis un peu plus de concentré sur le rap. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Eh, Binkeva, Eva est là. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Je suis un peu plus concentré sur le rap. Ah bro, il faut les écouter aussi, hein. Tu sais, ce qu'ils disent là, ça peut être vrai aussi. Hein. Non, et vous là, vous savez, non, il faut damer sur ça. Vous avez dit de rapper et puis chercher de l'argent. Non. Si tu as l'argent là, qu'est-ce que les femmes là veulent? C'est l'argent, non, donc elles vont venir vers toi. Et puis toi aussi, tu vas en profiter là.
Non, mes gars, là, il faut changer. Vous êtes en retard, là, il faut vous mettre dans le temps. Ok, nous, nous sommes en retard, mais il faut essayer avant. Non, il faut dormir sur ça. Regarde, le thé là n'est pas prêt, non. Elle est surtout l'ennemi. Mais nous, c'est nous, depuis là. Non, toi-même, tu sais qu'on n'a on a pas le même programme là. Et puis moi-même, je n'ai même pas le temps. Hein. Regarde, il faut faire vite là. Mais il fallait me demander, tu as gagné, tu as dit, Non, ça se gère là. Non, il va c'est moi. Ah, faut pas faire ça. Oh, ah, propre. Ok, c'est déjà prêt, non? Comme on est pas là, il est pas là, il faut faire. Ok, non, il va. Ah. Oh, les gars, il faut qu'on se fasse compagnie, sinon je vais rater un rendez-vous là. Ouais, ouais, j'ai un rendez-vous avec mon manager. Ouais, non. Dis-moi, tu fais le rap depuis longtemps là, il faut faire un acapella pour nous là. Non, un acapella. Oui. Voilà, donc il faut écouter. Hein. Cagoulé, si mieux, faut l'avouer. Poum, si c'est pour monter sur un tabou de violence policière, on peut plus tolérer. Flaque, sale, ça va pas, comment s'assurer. Y'a nos matières, c'est la guerre, c'est nous personne coopère avec mon drapeau, faut qu'on m'enterre. Ouais, ouais. Eh, hey, les gars, il faut. Les gars, ouais. C'est ça. Voilà, donc on s'est rattrapé. C'est non, toi, ben moi, on s'est rappelé. Ok, eh, hey, toi là, je vais t'appeler après. Ok, pas de problème. Pour une mission là. Ok. Voilà, donc après. On te sort après. Tu vas trouver un temps pour te reposer. Faut te lever. Si tu ne peux pas, je vais t'aider. Non, ça peut aller, c'est très gentil. Ça n'est pas peur. Je vais servir la Moi j'aime prendre les écoliers et mettre dans l'entreprise. Après, les élèves. Bon, pourtant, moi je crois que quand c'est des élèves, ça avance bien parce qu'ils sont un peu instruits. Comme tu l'as dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire le contraire. Non. Puis l'autre là, c'est le fils à mon cousin.
il traînait au village, donc son père m'a dit de venir, de l'embaucher, quoi. Mais dis donc, est-ce qu'on va pas faire un sortie? Donc, il n'y a pas de problème. Je veux que tu m'emmènes au cascade. Au cascade? Donc, il n'y a pas de problème. Tu sais, je crois que dans la semaine prochaine, je vais me reposer. Ton plan est délicieux. Merci. Bon, tu sais, moi je n'aime pas manger trop, mais un truc comme ça. Ok. On mange sur la salle. Et... je n'aime pas la poutine. Je vais débarrasser la table. D'accord. C'est fini. Ma chérie, tu sais, ce film n'est pas comme prière là. Ah bon? Non. Mais tu sais, ce qui ne m'a pas plu dans ce film est qu'ils ont tué la femme là pour rien. C'est ça aussi. Elle était innocente. C'est comme on aime le dire dans la vie. Les plus grands dominent les plus petits. Ainsi va la vie. C'est comme dans la mer. Les gros poissons mangent les petits. N'est-ce pas, hein? C'est ça, on aime dire dans la vie, il faut vouloir être fort. C'est ça qui est important. Tu l'es déjà. Je suis fort, hein? Tu es l'homme le plus fort. Tu ne me flattes pas, hein? Oui. D'accord. Quand je suis à tes côtés, je n'ai plus peur de rien. Ah, c'est ça? D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu as toujours été comme ça et quand moi aussi je suis à côté de toi, je me sens le plus croisé du monde. Ok. Ma chérie, vraiment tu es très belle. Tu brilles de jour. Tu me flattes seulement. Non, je ne te flatte pas. Tu sais que c'est toi seule qui compte pour moi. Tu es gravé dans mon cœur. Wow. Bien sûr. Dans ce cas, quand est-ce que tu vas venir à la maison pour demander ma main? C'est vrai ce que tu dis, mais pas maintenant. Tu sais bien qu'un étudiant, une fois s'il n'a pas de travail, il ne peut pas se marier. Qui t'a dit ça? C'est faux. Ou bien tu ne m'aimes pas? Bien sûr que je t'aime, seulement que les moyens me manquent. Mais pour toi, je le ferai avec plaisir. Aucun garçon dans ce monde ne peut refuser la demande d'une si belle fille comme toi. Ok, comme voilà. Tu l'as dit. Voilà. Mais je pense qu'on a assez bavardé. Vraiment. Je propose qu'on rentre. On va aller chez moi, se reposer un peu, comme d'habitude. Ah, aujourd'hui encore? Ah, bien sûr. Comme pourquoi tu réagis comme si ça ne te plaît pas? Ne te moque pas de moi. Allons-y. Ok, passe devant. C'est comment? Ouais, ça va. Ça peut aller. Ok. Prends place. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu vas. Tu n'es pas étranger ici, hein? Tu peux d'ailleurs faire comme c'est toi. Voilà, je suis en train de manger. Ah, bon ami, toi, tu sais que je ne mange pas, il n'y a pas qu'un homme à préparer. Hé, hey, toi, Amadou, ne te fous pas de moi, hein? Parce que ma femme a voyagé, tu veux te moquer de moi. Non, je alors, tu sais, ma femme va venir dans 3 jours. Bon, mais comme ce matin, là, on ne refuse pas, le pas matin, je vais goûter un peu. Ils savent que tu aimes la viande. Et dans la salle? Ouais, ça va.
Mais sinon... c'est délicieux, hein. Mais quand même, c'est moi qui l'ai préparé. Pourquoi tu t'es marié même? Tu pouvais préparer sur le lit manger là. Ou bien c'est pour autre chose que tu t'es marié? C'est pas moi. On dit quand un c'est bon, deux est mieux. Ah, c'est vrai. Mm-hmm. Tu vois. On dit souvent mais que quand un homme s'est bien préparé, là, à chaque fois là, il dénigre tout ce que sa femme a préparé. Mais j'espère que tu aides ta femme de temps en temps. Mmh. C'est ça qui est bon. Ok. Quand elle a besoin de quelque chose, moi je peux l'aider, même si j'ai le temps. Ah d'accord. Ça c'est bien. Mmh. Mais tu sais, bon, je vais te foutre compagnie. Mmh. Parce que nous devons de patrouiller. Patrouille. Oh, oui. Mais je propose que tu m'accompagnes. I have no time. Y a pas temps. Non, je voulais que tu m'accompagnes là comme ça là. Je vais te trouver une go charmante. Tu vas profiter en attendant quand même ta femme. Tu viens. Toi, Madoula. Donc tu penses que comme ça, moi je vais oser trahir ma femme. Ah merde. Laisse ça. Tu continues toujours de faire confiance aux femmes. Pourquoi? Laisse-moi te dire quelque chose. La femme. Elle est comme une caméléon. Ça veut dire qu'elle change de comportement quand elle veut et comme elle veut. Regarde, laisse-moi te dire, Amanou. Ma femme a les mains. On ne se connaissait pas aujourd'hui. On ne se connaissait pas aujourd'hui. Et je sais qu'elle n'est pas capable de me faire ça. Elle n'est pas capable de me faire ça. Je ne vais jamais la trahir. Alors, elle est spéciale pour moi. Donc comme ça, tu refuses de me comprendre. Ah, mais je t'ai compris comme ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Comme on le dit à Mouri, il y a des bruyères pas gouttes. C'est tout ce que je veux que tu saches. Ou bien? Alors, laisse-moi te dire que quand tu auras ta femme, trahis-la comme tu veux. Ah d'accord. Alors, donc si tu veux que je comprenne là, je te laisse. Oh! Voilà. Bonne journée. Ok, on se rattrape après. En tant que vrai ami, tu veux me conseiller de trahir ma femme. Toi, Amadou, tu es fou. Depuis là, je t'appelle et puis tu n'es pas là. Regarde, il est que là. Et puis tu viens même pas. Hein? Moi, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. Ouais, mon pote. C'est comment? Ouais, ça va. Ok. Et chez toi? Oui, ça va aussi. Hein. Ok. Dis-moi, tu m'as appelé pourquoi? Comme je t'avais appelé là aussi, c'était à propos de la femme là. Cette femme là, il faut qu'elle passe dans ma casserole. De quelle femme tu parles? La femme du boss là? Non? Ah. Mais oui. Ah mais l'affaire là ne sera pas facile. Et puis moi je perds. Et tu sais que c'est une femme mariée. Et puis si tu essaies, tu vas essayer de mettre sa vie de foyer en danger. C'est pas bon. Non, mais Sopra, il faut laisser ça. S'il te plaît. Cet aliment là, il me la faut. Donc tu connais son nom déjà? Mais oui, oui. Bon, la fois passée là, on s'est croisés. Mais elle me faisait croire qu'elle avait un putain de mari. Mais je l'ai abordé directement. Mais je crois que mes mots vont la toucher au cœur. S'il te plaît, aide-moi. Allons-y, Cézanne. Attends. Tu sais? Oui, oui. Dans cette affaire-là, ça nécessite beaucoup de réflexion. Sopra, mais quel genre de réflexion ça? Allons-y! Et bro, tu sais? Oui. Tu dis pas Gisèle, non? Oui. Ok. Bonne chance. Bonne quoi? Bonne chance à toi. Donc tu vas pas m'aider? Non, s'il te plaît, finis ça. Bonne chance à toi. Je m'en fous de tes salutations. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, même j'ai d'autres choses à faire. Je ne sais même pas qui m'a appelé ici. Et donc. Kenga min ba ka goyoga karwaar biiga an fona yaala undi ka don je fo ya boy mam adam biigu do raaw nto lo gonzo tra be mutu kenga min ka Thank you.
sais, Halima, oui. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Oui. Tu sais bien que dans ces deux jours-là, les hommes parlent trop de toi. Que tu fais ceci, que tu fais cela, et moi je les écoute comme ça. Tu sais, bébé, les gens là, ce sont les hypocrites, il faut les laisser là-bas. Ils font comme ça pour séparer les gens. Ah oui, c'est ça, moi aussi j'ai dit. Tu sais, si moi que quand c'est les zombies qui vont nous séparer, toi et moi nous allons mourir ensemble. Parce que moi je suis un homme véridique, je suis un homme de parole. Alors j'ai réagi sur ce que mes deux yeux ont témoigné. Tu vois ça? Oui. Ah, d'accord. Donc, pour cela, je t'aime là. Ah, moi aussi, je t'aime. Tu es l'homme qu'il nous faut. Tu es la femme qu'il nous faut aussi. tu sais bien que c'est aujourd'hui, je dois voyager. Hein. Mm. Oui, ma mission avec les Blancs. Là. Oui, je me rappelle. C'est ça, c'est aujourd'hui. S'il te plaît, rentre dedans, tu me prépares mon sac, je vais partir. Hein. Tu ne veux pas que tu partes. Tu ne veux pas que je parte. Tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Il va falloir que je parte. Parce qu'on doit se soucier de temps en temps de la fortune, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, je dois partir et puis revenir. Je te promets que je ne vais pas dépasser les 2 semaines. Ce n'est que 2 semaines seulement que je vais faire là-bas. Hmm? Alors, laisse-moi partir, s'il te plaît, non? Mais il faut prendre ton petit déjeuner. Oh, tu sais bien que l'air est vraiment coincé. Donc, je vais laisser ça. Hein? C'est maintenant que je n'ai pas l'appétit. Hein? Je vais partir. Tu sais que je ne suis pas contente quand tu as faim. Je sais, tu es gentille. Hein? Merci beaucoup. Mais s'il te plaît, laisse-moi te dire que je ne vais pas dépasser les 2 semaines. Hein? Après les 2 semaines, pile, tu vas me voir ici. Tu seras étonné. D'accord. Alors, c'est une mission qui va nous apporter beaucoup d'argent. Hein? Là, c'est bien. Là, on pourra s'acheter beaucoup de choses. Beaucoup même. Tu peux changer même ta voiture et acheter une autre. Super. Oui. Enfin, je t'apporte comme ça. Ok, merci. Voilà. Oh, ça. N'est-ce pas, hein? Mm-hmm. Donc, tu sais, oui. Je vais partir pour ne pas rater. Ok. Mon vol. Ok. Ici, on est là, on peut continuer maintenant sur le sujet. C'est-à-dire que nous, je t'aime pas. Je suis mariée. Non, Ali. L'amour de ma mari aussi. Mmh. Faut sortir. Bah, non, Ali. Sors, sinon je vais crier au bout. Non, Ali. Non, t'apprends pas de moi. Quoi? Laisse-moi. Mon mari refuse de me comprendre. Pourtant, je suis innocente. Oh mon Dieu,
Je ne veux pas perdre mon foyer. Viens de là-dessus.
parle comment pour qu'il me soit. Voilà. Zak sawa yam ken ya ka za ko tiri ma na wala. Tan don to wa. Mana ga me. Don da go mu da aya sa ka me sa ka sura ere. Ti mana. Okay nyam ton ron ti mana ye la wa. Ku sa barka. Yam pa wa go ma la am pa ton sala. Mana da ka ti ti ne brin ken erka. Ya mana sawa yam mana ga mi do. Ntara sa ka sun da tna ta ya pa ba. La umu be. Umu. Na wa ti mi ya be. Wa tu kem sa bo le. Kalau kami datang-datang ini kan, tuan ini kan, niam sumpah sih rokat ba, mau bini tuan dah. Niam basi rokat pun lebih ini mau bini tuan dah. Niam sumpah mood kami, mukjiz sini dah soba. Okay, mon mari, vous pouvez compter sur moi, on a parfaitement compris. Okay, jadi buat mama, niam ini gua masai, niam ini gua mana kat rumah saya. Jangan efu membangi, niam mana lah, la cirayuti. Kami jangan lepas nak jenar sama. Kami tu yang dah. Di gua mau usaha bakar ni, apa sama ini? Malah. Mula kami kira sama ya. Aiti dah ni kami naoi. Ha. Malah kami hal kebe. Abi pun bangga pun nama rezap city sama. Malah. Aku kaya. Saya. Aku. Saya umur ini. Kaya kebe. Malah naik kami ya. Ceng ceng apa? Nanti orang je sembuh mah. Ibu dia lah, dia lah. Malah ampam tangan je. Nanti lah sampai. Kay ba mena zindu go mane pumu ya ngom sam ne kiken rawo tira zindu aha e chantu wanda ya i imantul ni wasi atim kan ni mtu ko kom ti Raula Brown itu bumbulin ni lah, pagari kedambar. Ikan tiba tu Maya, ni sangat ramu. Nampak pun ramu. Nala bin. Alors, où est-il? Qui? Notre étranger. Mais on n'a pas d'étranger. Donc tu fais semblant. Et où est la Sémise? Mais qu'est-ce que la Sémise? C'est notre étranger. On ne doit pas manger la laisser. Alors, apporte-la. Pourquoi tu ne veux pas me prendre? Non, tu fais semblant de ne pas comprendre ce que c'est, n'est-ce pas? Alors laisse-moi faire. Voilà, je vais te sentir avec une surprise. Alors maintenant, serre-la. Je te demande de servir la semise. Comment? Vas-tu la servir? Oui, c'est impossible. Une chemise ne peut pas boire du café. Je te demande de la servir et après maintenant je vais boire avec son verre. Non, s'il te plaît. Alors, tu vas la servir ou bien tu vas sortir de chez moi? Alors, apporte là du temps de boire, quand même. Mon amour, c'est impossible, hein? Comprends-moi, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Je vais tout expliquer. Ce n'est pas de ma faute, s'il te plaît. Expliquer quoi? Expliquer quoi? C'était tout simplement demander de servir la semise, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'explication ici. S'il te plaît, mon amour. À quoi nous avons un peu de temps pour que je puisse t'expliquer? Tu sais, Alima, moi, ce n'est pas de temps avec toi. D'accord? Alors, quand il va finir de boire, je suis dedans.
S'il te plaît, mon amour, ne parle pas. Depuis quand il s'est mis à boire du café? Tout ça là pour me punir pour rien. Son ami avait raison quand il disait que le foyer c'est synonyme de prison. C'est un problème. Tu pars à la richesse de la fortune aussi, c'est un problème. Si c'était quelqu'un d'autre qui me faisait ça, j'allais comprendre. Tu ne pouvais pas croire que Alima pouvait me faire ça. Oh, pourtant, mon ami me disait, foyer, c'est synonyme de prison. Mais quand Dieu pardonne la femme, est-ce que ce n'est pas une erreur? Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre ça. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. C'est-à-dire que je suis sale? Mais tu ne t'es pas lavé depuis hier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton problème. Est-ce que ta chemise s'est lavée? Mais ta chemise ne peut pas se laver. Alors, tu sais, Alima, je ne veux pas de problème dans cette maison. Alors, tu sais bien que je suis gouverné, n'est-ce pas? Ma présence ici n'a plus d'importance. La semise gouverne notre famille. Alors, ce que j'ai à te demander, pardon, dis à la semise d'aller se laver. Après, moi, je vais me laver peut-être. S'il te plaît, mon amour, je suis désolée. Je veux que tu m'accordes un peu de temps pour que je puisse m'expliquer, s'il te plaît. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Je te laisse. Accorde-moi un peu de temps pour que je puisse m'expliquer. Quel est l'honneur de ta visite ce matin? C'est le problème de depuis là. Figure-toi que mon mari refuse de me comprendre. Pourtant, je suis innocente. Oui.
plus de 2 semaines comme ça. Il ne lave même plus mon eau. Je ne peux pas avoir ses habits pour laver. Il ne mange pas mon repas. Il ne veut même plus que je lui parle. Ah, vraiment, ça s'est passé. Ah, les hommes. Les hommes, vraiment, ils sont sans cœur. Le gars, là-même, n'a même pas pu me violer. On était en train de se battre quand il est arrivé. Et tu es vraiment innocente. Mais t'inquiète pas. Ça ne va pas continuer comme ça. Tu peux compter sur moi. Je vais venir lui parler. Vraiment? Oui, je vais venir lui parler. Tu dois faire cela pour moi. Oui, je le ferai pour toi. Ok, merci bien. Non, pas tu de quoi. Tu es comme une soeur pour moi. Non, t'inquiète. Merci. Lève-toi et rentre. Ok, merci beaucoup. Ok, je te... Ok. Que tu puisses la pardonner. Et tu sais, une femme, c'est comme un enfant. Donc, pardonne Alima, s'il te plaît. Pardonne-la. Ah bon, hein? C'est ce qu'elle vous a dit. Alors, laisse-moi te dire que, en fait, il n'y a pas eu dispute entre nous. Ma femme et moi, et depuis qu'on se connaît, il n'y a pas eu bagarre entre nous. C'est la même chose que tu as dit à mon mari. Et c'est ça aussi que tu de me dire encore. Et pourtant, tu continues de maltraiter la famille. Ah, voisin, tu sais, la vie, c'est le pardon. Donc, il faut pardonner à lui-même. Stop! Je te permets pas. Je te permets pas de parler ainsi. Alors, tu veux m'amener maintenant à la pardonner, n'est-ce pas? Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te lever, aller chez toi, cercer un jeune, rentrer dans la maison de Lagi. Tu vas tout faire maintenant qu'il te surprend là-bas. Maintenant, si Lagi te pardonne facilement, tu peux venir maintenant me conseiller de pardonner ma femme. N'est-ce pas? Et vous, les femmes, vous pouvez vous faire confiance si vous n'étiez pas des super philosophes. Vous faites comme ça pour mélanger les uns. Alors, j'ai besoin d'être seul maintenant. Partez de chez moi. Sortez de chez moi, j'ai besoin d'être seul. Belle sœur, une façon de nous ramasser. On te dit de pardonner ta femme, tu nous ramasses comme ça. Ouais, pas ta haute, à tout couler. Tu ne peux même pas. Regarde-moi tes muscles là. Est-ce que tu as la force pour me faire quelque chose? Est-ce que, attends, voici. Tu ne peux pas. Allez, ah, je vais frapper. S'il te plaît. Non, laisse-moi me reposer. Quand je suis à tes côtés, je n'ai plus peur de rien. Ah, c'est ça? D'accord. Il n'y a pas de problème. Quand tu étais comme ça et quand moi aussi je suis à côté de toi, je me sens le plus croisé du monde. Pour cela, je t'aime là. Ah, moi aussi, je t'aime. Tu es l'homme qu'il me faut. Tu es la femme qu'il me faut aussi.
Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. J'ai tout entendu, c'est à propos de ta femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Je viens te dire de pardonner la femme. Parce que je sais que c'est une erreur de sa part. Et peut-être même ce n'est pas ce que tu crois. Ta femme n'est pas capable de te faire ça. Tu entends? Moi, je connais bien ta femme. Tu la pardonnes? Tu sais, Amadou, cette femme ne mérite pas le pardon. Après tout ce que moi j'ai fait pour Alima, je ne savais pas qu'un jour, elle pouvait me faire ça. Tu sais, faut agir comme un homme. Une seule fois, ça ne mérite pas de la traiter de la sorte. Et je sais que Alima est innocente. Je connais bien ta femme, elle n'est pas capable de te faire ça. Est-ce que tu vois? Je dis, tu connais les gens, peut-être que le gars est venu pour la faire la force. Sinon, ta femme, elle ne peut pas te tromper dans votre maison. D'accord. Moi, en tant qu'ami, ce que j'ai à te dire, c'est de la pardonner. Parce que je sais que c'est une erreur de la part de la femme. Ou bien peut-être même ce n'est pas ce que tu crois. Ok, Amadou, tu es un vrai pote. Je vais suivre tes conseils. Je vais la pardonner, tu peux me croire. D'accord. Tu la pardonnes. Parce que je ne vais pas venir ici demain ou un autre jour te trouver dans cet état. Ok. Promets-moi de pardonner la femme. Ok, c'est promis. Oui, c'est promis. D'accord. Donc, j'ai un devoir à faire, donc. Je vais te voir du lycée. Ok, merci beaucoup, Amadou. Voilà. Tu as vraiment un bon. Bonne journée. Merci. Ici, on est dans un conflit de maison chez lui. C'est-à-dire que nous, nous étions là. Et je marie. Non, l'amour de ma mari aussi. Faut sortir. Pas mal. Sors, sinon je vais crier. Non. Non, t'as pas de moi. Quoi? Laisse-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis au courant de tout. Mais si tu persistes, tu vas amèrement de regretter. Pardonne-la. Hey, mon mari. Chérie, à quoi? Chérie. C'est le cauchemar. Ça va? C'est le cauchemar. Tu peux t'aider? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu sais, c'est à cause de toi. Mais... Explique-moi. Avant, laisse-moi.
Non, s'il te plaît, rien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il faut que je parte me voir. Je ne veux pas le laisser ici. Je n'adore que mes silences. D'argent ma voix, c'est romance, Sophia. De paroles, je n'en ai qu'une. Alors écoute. Eh mon Dieu, pourquoi c'est moi? Pourtant, je suis innocente et il ne veut pas me croire. Je vais faire comment? Je ne vais pas quitter mon mari. Hey, Dieu, aide-moi. Aide-moi à garder mon foyer. Je ne veux pas le perdre. Si seulement il m'accordait un petit temps pour que je puisse m'expliquer. Je suis vraiment malheureuse. C'est quand même bizarre. C'est trop de problèmes dans ces deux jours. C'est trop de problèmes. Quoi le dire? Est-ce que la femme n'est pas innocente? Mais pourquoi dans ces deux jours? Les gens viennent trop ici me demander de pardonner la femme. Cela signifie quelque chose. Dois-je la pardonner? De la même chose. Je sais que c'est difficile de comprendre, mais si tu me comprends, moi je suis innocente. Je suis faite pendant plus de 2 semaines et ça ne te dit rien. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il n'y a pas de solution pour me pardonner, alors je t'autorise à me rembourser en couchant avec une autre femme. Et on continue la vie. Stop! Crois-tu que je veux bafouer ma dignité? Attends, Alima. Pas que j'ai un cœur de pierre. Tu sais, souvent j'ai envie de te pardonner, mais mon cœur ne me permet pas. Alors tu sais ce qu'on va faire? Je crois qu'on a assez vécu dans la merde. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Lève-toi, va t'asseoir. Alors, apporte-moi une chaise. S'il te plaît. Thank you.
Donne ta main. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Mais ça veut dire quoi ça? Je suis fatigué. Alors, je te demande maintenant de rentrer dedans, tu ramasses tous tes effets et tu fous les camps de ce mois. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Je suis fatigué, Alima. Rentre dedans maintenant, ramasse tous tes effets et fous les camps de ce mois. Je ne veux pas m'en aller. Maintenant, je te demande de rentrer dedans, ramasse tous tes effets et fous les camps de ce mois. Maintenant! Si tu persistes, tu vas amèrement le regretter. Pardonne-la. Reviens, c'était pardonné. Vraiment, tu m'as pardonné. Bien sûr. Do you believe in love? How crazy it could be. But baby, stop. Take it easy. Can you leave? I swear I can't breathe. You make me fall in love.